Alors voici quelques images de Menka et de Ayana, sa fille. Donc là, Cédric est avec Ayana, la pouliche de 18 mois. La pouliche que j'avais réussi du coup à l'y coller au cours d'un stage une semaine avant à peu près. Et vous allez voir un petit peu le comportement de la pouliche. Certes, là je suis devant elle. En plus, j'étais en train de manger quelques amandes. Donc forcément, c'était pas, elle avait envie de venir. Mais vous allez voir surtout la jument agitée. Vous avez quoi, agitée? C'est pas catastrophique, hein, mais vous allez bien voir la différence entre là maintenant, ce que vous voyez dans ces images, et dans quelques secondes, une fois que Cédric aura accepté de se remettre en lui, de respirer grâce à la cohérence cardiaque. Donc voilà, Cédric essaye de tranquillement d'aller chercher des points où la jument est paisible. Il prend vraiment son temps, regardez ses déplacements, son énergie est assez basse, il n'y a vraiment rien à dire dessus, mais la jument... Ça n'accale pas, la jument est... Et voilà, je parle vraiment d'une petite agitation. Donc là, je lui ai demandé en fait à Cédric s'il pense que ça venait de lui ou est-ce que ça venait de la pouliche, l'agitation. Comment tu te sens, Cédric ? Je sens une aiguille qui monte au niveau du... de la poitrine. D'accord. Comme si, ouais, une aiguille. Est-ce que tu pourrais... De la force ou... C'est un truc qui t'appartient ou qui lui appartient? Je me demande si c'est pas moi. Tu penses que c'est toi, ouais. Vu le parcours des chevaux? Ouais, peut-être. Je sais pas si c'est elle. En fait, il faut que tu arrives... C'est même au niveau du cœur, là. D'accord. Comme si c'était une blessure, mais peut-être que c'est ma blessure. Et ça, il va falloir que ce soit toi qui détaille. Est-ce que c'est ta blessure que tu ressens ou est-ce que ça lui appartient à elle? Donc ce que je te propose, c'est que je vais reprendre la pouliche, tu te mets là où tu veux et tu respires un peu et va observer si c'est ton aiguille à toi, si ça t'appartient à toi ou si c'est à la pouliche. Ça y est, Cédric s'est mis en cohérence cardiaque et a respiré quelques minutes. Et c'est vraiment, 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 vraiment un outil extraordinaire, la cohérence cardiaque. Et là, vous allez regarder la pouliche. La pouliche, c'était juste quelques secondes après. Vraiment, Cédric a mis quelques minutes à respirer. Il vient de se poser avec la jument. Et là, voici les images. Donc, j'étais pas derrière la caméra. C'est pour ça que là, l'image n'est pas centrée. Je suis vraiment désolée pour ça. Mais c'est assez intéressant. Vraiment, là, on ressent beaucoup moins d'agitation. Il y avait beaucoup de vent. C'est pour ça que j'ai coupé. Je suis désolée par rapport au son. Quand Cédric a parlé tout à l'heure, il y avait beaucoup, beaucoup de vent. J'avais pas encore mon micro. Excusez-moi pour ça. Je sais qu'on m'a fait quelques réflexions. Je vais me mettre à jour, je vous jure, au niveau technologie, mais... Juste pour dire, je suis pas du tout du métier, hein. Pas du tout dans l'informatique, dans tous les montages vidéo, j'apprends sur le tas, je fais du mieux possible, je fais quelques nuits blanches et pour essayer de faire au mieux. Et là, je vous promets, j'ai mon micro, je vais l'utiliser. Regardez la pouliche, c'est vraiment très très chouette. Donc Cédric est toujours autant posé au niveau de ses gestes, mais ça y est. Il a pu coordonner et réharmoniser un petit peu ses énergies grâce à la cohérence cardiaque. Et là, c'était vraiment super chouette. Et là, du coup, il va être prêt à aller affronter un petit peu sa maman. Sa maman, Menka. Ma petite doudou agressive. Alors, voici le travail que je faisais avec Menka. Du coup, en fait, Menka, je pouvais absolument pas l'approcher avec de la nourriture parce qu'elle n'aimait pas la nourriture. Je pense qu'elle avait sûrement jamais été nourrie aux céréales ou voilà. Bon, elle aimait pas ça. C'était un peu de luzerne, du tourteau, de colza, tournesol et puis de l'orge germée. Et du coup, donc, le seul moyen de pouvoir l'approcher, bah, c'était à distance. Donc, j'ai décidé en fait de prendre une chambrière. Pas du tout, du tout pour lui faire peur ou lui faire du mal, juste pour essayer de prendre contact avec elle à distance, pour moi me mettre aussi en sécurité, et puis que son corps apprenne à être touché. Cette jument, personne n'a jamais mis sa main dessus. Donc déjà qu'elle accepte avec la chambrière, c'était déjà quelque chose de,
d'extraordinaire. Donc en fait, j'essayais d'être le plus calme possible, mais cette jument, sincèrement, elle m'a fait transpirer. Hein, parce que quand elle essaye de nous intimider comme ça, c'est... Ouh, ça envoie. C'est vrai que c'est que des images, et quand je revois les images, je me dis, bon, finalement, c'était pas tant que ça, mais quand, sincèrement, je vous jure, on est devant elle, ça déménage. Donc, bien sûr, je peux comprendre, peut-être elle défend sa fille, peut-être du coup par rapport à son passé, mais qu'importe, là maintenant, elle va comprendre que les humains, c'est pour de la bienveillance. On est là pour maintenant l'aider, pour lui apporter le meilleur pour elle, pour faire un petit bout de chemin avec elle jusqu'au moment où elle va trouver ses propriétaires. Mais en tout cas, moi je remercie énormément cette jument, parce que vraiment, au niveau de de ce qu'elle nous fait ressentir, au niveau de... C'est un miroir parfait, au niveau de la colère, de nos moyens de défense. Merci beaucoup Menka, et maintenant à Cédric de vivre ce moment-là. Donc voici Menka. Donc Menka, maintenant je l'aborde avec de la nourriture, parce que sinon elle est vraiment très 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 agressive. Et là encore, vous allez voir, c'est vraiment... C'était beaucoup plus agressif au départ, hein, les premiers jours, la première journée. Je l'ai sauvé, acheté en connaissance de cause. Hein, personne évidemment n'en voulait. Vous allez voir, elle est assez piquante comme jument. Dangereuse, je ne sais pas jusqu'à quel point elle pourrait aller. Moi, elle a essayé de mordre et de me botter. Mais comment dire, c'est vraiment, je pense qu'elle s'y... Elle renvoie ça parce que l'humain lui a fait extrêmement de mal, ne l'a pas considéré, l'a brutalisé, ça c'est sûr. Elle passait entre des mains de maquignon, c'était pour de l'argent. Le dernier maquignon en date, c'est qu'il voulait un lot de vaches. Et par contre, il fallait prendre les mérinces avec. Lui, il en avait strictement rien à faire des mérinces, mais pour les vaches l'intéressaient. Et du coup, il a pris ses deux pouliches, bon, une semaine, hein, c'est pas grave, mais... Mais c'est juste qu'elle est passée du coup de main en main et avec si peu de considération. Et en fait, il faut juste se dire que tout ce qu'elle fait, c'est pas contre nous. C'est juste, c'est un mal-être en elle, une grosse colère, tout ce qui la traverse. Mais ça ne nous appartient pas, ça lui appartient. Et nous, le but, c'est d'être le plus calme possible, le plus centré possible, pour l'emmener petit à petit. Vous voyez, là, Cédric, il faisait absolument rien. La pouliche à côté est relativement calme, mais la jument... Elle est toujours sur sa défense. Vous allez voir, je vous promets que ça va être une très jolie histoire, cette jument, j'en suis sûre. Elle est très touchante. Mais il faut un peu des fous comme moi pour accepter ça, cette aventure. Salut Cédric. Salut Yann. Rendez-vous du coup à la maison. Aujourd'hui on filme à l'intérieur parce que le temps est pas clément. Moi je t'ai eu au téléphone il y a à peine une semaine et en fait ton histoire m'a beaucoup touchée. Et là quand j'ai entendu, j'ai fait Cédric, j'ai envie de faire un témoignage avec toi. J'ai envie que tu sois un beau témoin de ton histoire. Ton histoire est belle, douloureuse et belle. Et du coup, ouais, avec grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui et puis de t'écouter. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton petit parcours de vie et quel message tu as envie de... Déjà, est-ce que tu as envie de donner un message? Est-ce qu'il y a un truc qui te vient et après, peut-être, on expliquera ton parcours? Est-ce qu'il y a quelque déjà, chose? Un grand merci à toi, parce que je suis venu ici, c'est, je pense, pas pour rien. Et ça fait super plaisir. C'est compliqué à parler. Non, mais ouais, c'est marrant, c'est toi du coup tu regardes les vidéos, puis là maintenant c'est toi qui es là et c'est toi qui en plus. En fait, quel message, quel grand message t'as donné? Qu'est-ce que t'as envie de transmettre? C'est pas évident. Tu veux commencer par ton parcours? Ouais, je sais pas trop par où commencer, ça se bouscule dans la tête, c'était pas prévu. J'arrive pas, attends. Ça va arriver, mais... Ça, il n'y a aucun problème. Après, si c'est plus simple d'expliquer un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie, dis-moi. Donc, je suis agriculteur, mm-hmm. Donc éleveur bovin. T'as quel âge, Cédric? 32 ans. D'accord. Ça fait pas longtemps que je les ai eus, du coup. Mm-hmm. Donc, 32 ans et je suis éleveur depuis 7 ans. Mm-hmm. Donc, reprise d'une exploitation familiale
sur une petite structure, 80 hectares. D'accord, t'as combien d'animaux, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'as comme animaux? Donc là j'ai des vaches allaitantes et des vaches mixtes qui sont aussi viande que laitières. Mm-hmm. Bon j'avoue c'est pas facile de filmer et de dire tout ça, mais j'ai pas mis ma colle et la potion. Donc mon béliard est normande en mixte et puis charolais et limousin en viande. Mm-hmm. Donc j'ai là aujourd'hui je suis un peu en dessous de 80 bêtes totales. D'accord. Donc depuis que je me suis installé, rien n'a été fluide. Rien n'a été fluide. En fait, j'ai eu tout le temps des petites couilles. Apprentissage de la vie. Ouais, ça. Un apprentissage et comme je suis. Tu t'es senti sur ton bon chemin? Toi, quand tu as fait ça, en fait, tu avais plein de galères et tu as continué quand même. Ouais, parce que pour moi, c'était ça. Mais bah oui. J'avais des œillères et puis j'étais un peu formaté. Enfin, je pense que j'étais formaté malgré que je suis anti-système. Mm-hmm. Voilà, j'aime bien que ça soit moi qui décide. Tu veux être libre, en fait. Ouais, libre. Mm-hmm. J'ai pas envie qu'on me dise quoi faire ou. Quoi gagner comme argent, sur quoi investir. C'est pas à nous de décider. Enfin, c'est pas aux autres de décider pour nous ce qu'on a envie et notre façon de penser. Mm-hmm. Mais voilà, j'étais un peu. Tu étais agriculteur, tu as fait toute ta formation du coup d'agriculture, Ouais, et puis. Et puis ça y est, tu t'es lancé. J'étais formaté malgré tout dans malgré un toi, système, ouais. Malgré que je voulais pas être dans ce système. Mm-hmm. Et du coup, dès le départ, j'ai eu des ennuis. En fait, tout le temps. Matériel. Matériel, animaux, maladies. Voilà. Et puis en 2016, ça allait tellement mal que, août 2016, le dernier samedi, je reçois une lettre de la banque qui me dit qu'il y a un chèque qui a été refusé, que je suis interdit bancaire. Et là, je me dis. J'avais plus envie, plus la niaque, plus. Donc j'ai pris. J'étais chasseur. C'est au passé. Voilà. Enfin, officiellement, j'y suis encore, mais je ne chasse plus du tout. Donc, mais j'étais là, ça va être terminé. J'étais chasseur et j'ai pris mon arme. J'ai pris des cartouches et j'ai chargé. Et donc l'objectif c'était de me suicider. Mm-hmm. Donc là j'ai mis le canon en dessous là. Enfin, voilà. Mm-hmm. Et j'avais une chienne à cette époque extraordinaire. Il y avait un lien tellement fort entre nous que c'était une âme sœur pour moi. Et elle a vu que j'étais pas bien. Donc elle est venue me voir. Et elle a posé sa tête. Et pour me dire, fais pas ça, enfin, je suis là. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et du coup, là, je me suis dit, je peux pas laisser ma chienne, je peux pas laisser mes animaux, tout ça, parce que des abrutis qui ne savent pas ce que c'est aujourd'hui, enfin, ce qu'on subit. Mm-hmm. Donc, j'ai dit. Est-ce que les agriculteurs, vous subissez cette pression que vous avez? Cette pression, parce que c'est un système aujourd'hui, et si on n'est pas dans le système, on est. C'est ça. On fait en sorte de nous emmerder. Toi, t'as été contrôlé, du coup, beaucoup de fois. J'ai été contrôlé beaucoup de fois, parce que la première année, j'ai témoigné par rapport à mon parcours d'installation. Et. Ces gens-là, ils pensaient que j'étais quelqu'un de ça. Politiquement correct. Politiquement correct, oui, voilà, c'est très bien. Et malheureusement, lors de l'interview, moi, j'ai pas soutenu la chambre d'agriculture, j'ai pas soutenu le système, parce que moi, j'avais besoin du système pour pouvoir m'installer. Mais pas pour t'enfoncer, quoi. Voilà. Mais je voulais prévenir les jeunes qui pouvaient s'installer sans le système, qu'ils le fassent. Qui serait nettement plus heureux, nettement plus libre. Qu'est-ce qui est dur pour toi? Qu'est-ce qui a été dur pour toi dans ce système-là? D'être obligé de faire des choses qui ne me convenaient pas. C'est-à-dire? Exemple, quand je me suis installé, j'ai acheté les vaches, donc c'était. Comme j'avais les prêts JA, on a deux c'est mois. Des primes, ouais, c'est des ça? Hein ouais. C'est une aide des prêts, de l'installation, c'est des prêts à 1%. Mm-hmm. Donc c'est. Mm-hmm. Donc en fait, je devais acheter les vaches, mais j'avais un délai de 2 mois.
Donc je devais tout de suite acheter les vaches, donc j'avais 10 vaches à acheter. Et du coup j'ai acheté les vaches d'un seul coup. Et à cette époque je faisais du veau de lait. Et le souci c'est que pour trouver des veaux pour mettre en dessous les mers, c'est pas évident, surtout quand on commence. Mmh. Donc en fait, pendant toute la... d'avril jusqu'à octobre, novembre, le lait je le jetais par terre parce que j'ai... dans la nature, ouais, c'est ça. Hein. J'arrivais à m'en donner comme ça, mais donc un gros gaspillage. Parce qu'on t'a mis trop la pression, juste 2 mois pour monter son truc, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas se lancer, on peut pas nous obliger à avoir 10 vaches d'un seul coup et puis trouver 20 ou veaux pour pouvoir délaiter ses bêtes. Mm-hmm. Donc forcément, la première. Et puis en plus, quand on commence. Voilà, il y a plein de choses à mettre en route, donc c'est pas... C'était vraiment une pression, en fait. Ouais, la pression. Après, la pression, forcément, elle s'atténue un peu, parce que quand on commence à voir les veaux, qu'on voit que au fil des mois, on jette un peu moins de lait, ça redescend. Mais il y a eu cette période difficile. Cette période, et puis l'installation, c'est pas rien. C'est, T'as mis combien de temps un petit peu à galérer au départ, parce que toi, t'as acheté ton matériel, c'est tombé en panne. Ouais, de toute façon, toute l'année 2013 a été difficile pour la mise en place, parce qu'il y a eu plein de soucis techniques. Mais en 2013, je vais dire, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, même. Je peux dire, jusqu'à maintenant. On est en mai 2019. Jusqu'en 2018, parce que après, ma vision a changé. Est-ce que tu peux nous expliquer encore les galères que tu as eues et après, qu'est-ce qui s'est passé, ta vision qui a changé? Donc j'ai eu des soucis. Après, j'ai eu des maladies sur le cheptel, donc qui m'a fait beaucoup aussi perdre des veaux, des avortements, Et puis, il s'est passé autre chose avec le niveau de tes vaches. Donc après, il y a eu en 2016 la tentative de suicide et en 2017 l'incendie. Donc en fait, en une semaine, j'ai failli mourir 3 fois. Enfin, c'est que failli, hein, mais donc une fois la chasse, une fois avec un taureau et une fois l'incendie. Revirement de situation, là. Descente en aux enfers, c'est ça. Nuit noire de l'âme. Je l'appelle aujourd'hui comme ça. Et donc c'était le 2 avril. Le 29 avril, je perds ma chienne. Donc là encore, ça continue. Plus envie de rien faire, plus niaque. En plus, j'ai eu un souci au niveau de l'exploitation. Supposition, parce qu'aujourd'hui, je peux dire ce que supposer, mais vu que j'étais... à genoux ou affaibli, certaines personnes, alors c'est supposition, j'ai pas de preuve et je veux pas, mais empoisonnement de... si la preuve que t'as, c'est que t'as fait l'autopsie. Mais après on peut malheureusement, on peut pas bien le sûr. Prouver donc, bien sûr, mais dans l'autopsie il y a eu un bout de tissu dans l'estomac de ta vache et en fait toi tu penses que c'est un empoisonnement avec le liquide de refroidissement. Puisque les reins étaient lâchés, étaient atteints. Et maigrissaient très vite. Ça allait trop vite pour une mort de maladie. C'est ça, même les vétos, ils ne comprenaient pas, en fait. Oui. Donc, voilà. Et là, à cette époque, je me disais... je ne savais plus quoi penser, je ne savais plus trop quoi faire. Je sais que les gens, dès qu'ils venaient, ça m'agaçait... il y en a plusieurs où j'étais prête à sortir le fusil pour les tuer parce que tout m'agaçait. C'était dur et puis ça manque dur. Psychologiquement, c'est dur. C'est dur. Après, ça devait se passer. Mais c'est vrai que quand on est dedans, on a l'impression que le tunnel, on le verra. Tunnel, on le verra lumière. Jamais. On va finir comme ça. Ça a été très très compliqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tout ça, ces éléments très douloureux, entre l'accident où tu as failli mourir à la chasse, mourir dans l'incendie, mourir après avec le taureau, la perte de ta chienne, tes vaches empoisonnées,
Qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? Après, j'ai mis longtemps, donc 2017, ça a été très compliqué à gérer. Après, j'ai rencontré une personne qui m'a permis de... pas de... de... comment dire... de sortir un peu la tête de l'eau, mais sans trop la sortir, en fait. C'est... ouais, juste mais un, ça tout m'a permis, soupçon, un tout voilà, petit soupçon. De repartir et de me redonner la miette, parce que j'avais plus de projet, j'avais plus rien, je savais... T'étais plus. À terre. Voilà, j'étais... bah là, j'étais... plus bactère, je pense que c'est... Et qu'est-ce que tout ça, ça t'a apporté, d'être plus bactère? Quoi, maintenant, quelle est la différence avec là aujourd'hui où tu en es? Est-ce que tu chasses encore? Est-ce que tu mets encore tes vaches à l'abattoir? Qu'est-ce que tu fais? Je chasse plus. Mm-hmm. Pourquoi tu chasses plus? Parce que moi, en ayant échappé à la mort, je me dis pourquoi tel animal, je devrais lui décider de sa mort. C'est pas à moi de décider... Alors après, c'est mon avis personnel. Bien sûr. Mais je veux pas dire qu'il faut pas de chasseurs. Oui, on ne parle que de toi. Voilà. Après, s'il pouvait ne pas y avoir de chasseurs, moi, je serais très contente. À une cliente, je serais très contente. Mais aujourd'hui, pour moi, ça ne me correspond plus. Après, pareil pour l'élevage. Alors moi, aujourd'hui, j'ai pas trop le choix. L'élevage, je vais arrêter parce que je cautionne plus... cette façon de faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu cautionnes plus? D'engraisser des bêtes pour les abattre. Aujourd'hui, je... Tu peux plus. Et pourtant, tu l'as fait pendant quelques années. Oui, je l'ai fait, mais aujourd'hui, voilà, je sais que là, je dois le faire pour ce qui me reste, parce que j'ai pas le choix. Mais parce que toi, en fait, le but, c'est que tu as envie de peut-être tout recommencer différemment. T'as pas recommencé, t'as envie de te retrouver, ouais, toi. Non, moi, j'ai besoin de me retrouver, ça, c'est sûr. Et surtout, puis participer à ça, à la mise à mort des animaux. Et du coup, tu mangeais de la viande avant? Oui. Tu manges de la viande encore? J'en mange un tout petit peu quand je suis invité. D'accord. Mais du coup, t'en achètes plus? Mais j'en ai jamais acheté. C'était de la viande qui venait de chez moi ou d'un voisin. D'accord. Donc, tu mangeais tes bêtes? Ouais. Et aujourd'hui, je suis dans la capacité de manger de la viande. Même les fois que je suis invité où je mange de la viande, ça me rend malade. C'est génial. Donc voilà, mais... Ton parcours est assez étrange. Un chasseur, un éleveur, l'éleveur qui ne veut plus mettre ses animaux à l'abattoir, qui veut plus tuer les animaux. C'est étonnant. Étonnant. Ça devait se passer comme ça et je pouvais rien y faire. Bien sûr. Tout ce que j'ai subi pendant ces années, toutes ces façons de penser, parce que moi aujourd'hui je suis fils d'agriculteur, donc j'avais une pensée forcément. Tu voulais jamais rentrer dans le formatage, oui, mais en fait tu t'es fait complètement formaté. Ouais. Et tes autres, entre parenthèses, collègues, est-ce qu'il y en a des gens un petit peu comme toi, qui résonnent un petit peu comme toi, qui se disent ah, oh, mais là ça va plus d'engraisser nos animaux qu'on aime tant et puis les mettre à l'abattoir, il y a un truc qui va plus vraiment? S'en rendent compte, en fait, c'est ceux qui ont eu des accidents, justement. Ah ouais, d'accord. Des accidents où ils ont failli de mourir. Y passer aussi, ouais. D'accord. Pour certaines, après, il y a d'autres, ça pose pas de soucis encore. Mais ils sont encore dans le conventionnel, ils se posent pas trop de questions. Non, mais il y en a beaucoup, beaucoup, je veux pas dire beaucoup, parce que j'en connais, enfin, ce que je connais, il y en a pas beaucoup qui meurent, qui faillent, enfin... sont prêts à mourir d'accident, même si on sait que l'agriculture, il y a toujours des risques avec les bêtes. Bien sûr. Alors après, toi, les accidents que tu as eus, c'était rien à voir avec ton boulot. En fait, c'est la vie. Je pense que la vie t'a envoyé quelques petits signes un petit peu costauds en disant, Cédric, il va falloir que tu te réveilles et que tu prennes ta vie en main parce que tu es là pour quelque chose. Déjà, tu n'es pas là pour mourir. Je pense que la vie tient à toi, que tu es très, très, très bien guidé et que je pense que tu as quelque chose à découvrir, quoi. En fait, échapper trois fois à la mort en très peu de temps et avoir autant de galères comme je pense que tu n'es plus forcément fait pour faire ce que tu faisais et que t'es fait pour te réaliser et aller te trouver toi sans formatage de ton âme, quoi. Mais en fait, les deux accidents, les deux premiers, ça m'avait pas fait réaliser. C'est surtout le dernier, l'incendie. L'incendie, oui. C'est là où... L'incendie qui n'était pas de chez toi, en non, fait. Non, hein. Non, c'est des voisins... Donc on n'est pas beaucoup d'habitants et puis il y a des voisins qui sont entre moi et là où il y a eu l'incendie et puis pendant la nuit il y a eu un incendie de maison, enfin de cheminée, et la femme a appelé à l'aide et du coup moi ça m'a réveillé, j'avais ma chienne, ils ont jappé et
Et quand j'ai entendu les cris, puis qu'elle a dit au feu, j'ai pris un extincteur et du coup je suis rentré dans la maison. Je savais qu'il y avait encore une personne, minimum une personne. Donc voilà. Et malheureusement, cette personne est morte dans l'incendie. En fait, t'as essayé. Enfin, aujourd'hui, j'ai essayé de sauver cette personne, mais c'est plus la personne qui m'a appelé à l'aide qui m'a sauvé. Parce que n'avait pas appelé, tu serais sous les poutres. Toi, tu as voulu sauver quelqu'un et tu as failli y passer en voulant sauver cette personne. C'est très difficile pour toi. Tu en parles beaucoup. C'est vraiment quelque chose d'assez. Ouais, c'est pas évident. Bien sûr. Donc ça a été compliqué de l'accepter, déjà, énormément. Mais c'est beau ce que tu as fait. Je me sentais responsable, parce que voilà, je m'en étais sorti, alors que lui, il s'en est pas sorti. Et ça, je m'en suis voulu longtemps. Parce que moi, j'estimais que j'avais le droit de mourir, vu ce qui se passait. Mais bien sûr, donc, Cédric, toi, petit être, tu décides ça. Mais la vie ne veut pas. J'ai mes anges gardiens qui ne sont pas d'accord là-dessus. Donc après, je sais que si elle n'avait pas dit de sortir aujourd'hui, moi je serais. Tu montais là, c'est sûr. J'avais déjà commencé à monter. Donc je dois plus dire merci à elle de m'avoir sauvé que le contraire. Après, c'est douloureux. C'est une histoire très douloureuse. C'est comme ça, c'est notre vie, c'est notre. On devait le subir, on devait le vivre. Pas le subir, oui, peut-être le vivre. On subit quand même, mais... Ah, c'est toi qui choisis de le subir. Je l'ai subi. Oui, tu l'as subi. Donc, On peut aussi se dire que c'est quelque chose de très douloureux, mais que cette expérience-là te permet d'avancer après. Parce que subir, en fait, il y a un petit côté victime, puis tu prends pas ta vie en main, tu comprends. Oui, enfin là, du coup... je l'ai subi au départ. Bien sûr. Peut-être moins elle, mais moi je l'ai subi et c'est vrai que j'ai mis longtemps à m'en remettre. Il a fallu 2 ans et encore c'est pas évident parce que. Bien sûr. Et toi maintenant aujourd'hui, où est-ce que t'en es? En fait, pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Comment tu m'as connu? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Dis-moi. En fait, quand j'allais pas très très bien en 2018, donc l'année dernière, bizarrement j'étais sur YouTube, donc je m'étais sorti un peu la tête de l'eau, mais j'étais pas bien. Enfin voilà. Je tombe sur une vidéo où c'était la vidéo remerciement. Merci. Donc ça m'a quitté. Enfin, donc, j'ai regardé cette vidéo et. Et il y a des mots qui m'ont titillé, enfin qui m'ont touché. Et donc j'ai commencé à découvrir tes vidéos. Alors j'étais pas d'accord sur tout au départ. Parce que j'étais encore dans l'objectif d'être éleveur. Enfin j'étais encore un peu... Puis moi je parlais des abattoirs, je parlais des chasseurs. Et en fait, je sais pas si j'en parlais des chasseurs. Je crois pas, j'en ai jamais parlé de chasseurs. Sur le descriptif, t'en parles avec les chevreuils. Peut-être. Ouais. Ah mince, oups. Donc voilà, mais après, mais je disais, enfin, il y a quelque chose qui faisait que je sentais, au fond de moi, qu'il fallait que je vienne pour déclencher quelque chose, justement, pour me retrouver. Et j'ai mis longtemps avant de me décider à venir. Parce que je me disais, non, c'est pas le moment. Puis il y avait cette histoire de chasse. Moi, j'étais quand même dans éleveur qui emmenait à l'abattoir. Après, je côtoie tout type de personnes. Hein. C'est pas facile pour moi parce que j'aime vraiment les bêtes. Mais c'est vrai. Je t'aurais accueilli là-dedans, en fait. Ça aurait pas été facile pour moi aussi. Parce que c'est pas évident de parler. Si tu assumes entièrement le fait que tu mets à l'abattoir et que si tu fais un très beau métier, moi j'entends les agriculteurs qui disent ça. Après, moi pour moi, voilà. Maintenant je partage vraiment ton idée que on est qui pour se dire toi tu vas à l'abattoir pour faire de la viande et puis pour. Mais après aujourd'hui, moi je pense que c'est pas à nous de décider, que ça soit nous, moi, je pense que chacun a une mission de vie sur
sur cette terre, aussi bien les animaux. Et toi, c'est ça maintenant que tu vas aller chercher. Ouais, c'est toi un petit peu ce que tu vas aller chercher, ta propre mission de vie. Donc il va falloir que tu ailles te retrouver. Tu penses que ça va passer par quoi, Cédric, pour aller te retrouver? Alors là, déjà ici, je pense que j'aurai des réponses, mais je pense que je commence à. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? En fait, t'as passé la matinée avec moi. Est-ce que tu veux un petit peu en parler? Qu'est-ce qui s'est, ce qui. On a beaucoup parlé. Oui, on a beaucoup parlé. Beaucoup parlé. Voilà, on a sorti tout ce qui était tout ce qui. À sortir. Voilà, tout ce qu'il fallait. Parce que j'en avais besoin, parce qu'il faut en parler, c'est pas... Voilà. Mm-hmm. Et puis on a fait du shiatsu. Mm-hmm. En fait, tu es venu aux écuries pour être... Ce que toi, c'était vraiment la phrase qui me revient, que je retiens de toi, c'est le cheval miroir de notre, notre âme. Et puis moi, tu arrives, et puis je te scanne un petit peu, et là je me dis, Cédric, en fait, avant d'aller avec le cheval... Il va falloir que ça passe par toi, par toi, te réaligner toi, et que ce soit toi qui va aller, toi, à la recherche de ton âme. Donc en fait, voilà, tu as respiré, tu as fait de la cohérence cardiaque, je t'ai fait du shiatsu pour te remettre dans ton corps et aller comprendre un petit peu ton corps. On a vu quelques petits déséquilibres qui étaient assez intéressants, parce qu'il y avait beaucoup, il y avait un déséquilibre organique qui était vraiment très en lien avec tes émotions. Il y avait des choses qui étaient vraiment... Qui témoignait en fait de ce que tu... Ton corps porte en fait toute la trace de tes anciennes, de tes dernières années en fait. Donc ça c'est bien, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu lâches en fait petit à petit. Et là du coup d'être de plus en plus clair pour aller voir les chevaux. Et tout à l'heure du coup là on va aller voir les chevaux. Je pense qu'on va aller voir la petite pouliche, la petite Mérins, Ayana, qui la petite 18 mois qui partait justement à l'abattoir, et sa maman. Qui est très en colère, qui attaque, et peut-être que toi ça va te mettre face à ta propre colère, comme ça pourrait, moi ça me met face à la mienne, ça met face à la colère des gens en fait, parce qu'elle développe ça très très fort. Et du coup voilà, on va voir comment est-ce que tu vas respirer avec. Je pense qu'aujourd'hui on va pas travailler pour travailler un cheval, mais on va être avec, juste ressentir, parce que t'as commencé à ressentir un petit peu ton corps. Il y a eu quelque chose qui s'est passé ce matin qui fait que c'est ça qu'on va aller, dedans pour expérimenter maintenant avec le cheval. Oui, ça fait beaucoup de bien déjà ce matin. Mm-hmm. Mais tu pensais pas du tout, et puis moi non plus. Non, je pensais. Quand j'ai quelqu'un qui vient en stage, je ne sais jamais, je me laisse guider, et puis là c'était très fort à l'intérieur de moi, c'était ça, c'est réaligner, c'est trop. Je me mets sur un piédestal, mais sans ça, mais shiatsu, ça va l'aider quoi. Je savais qu'en venant ici, il y aurait quelque chose qui y aurait un déclic, mais je pensais plus être avec les chevaux, mais c'est très bien en fait, j'en avais besoin de toute façon. Et par rapport à toi, ce déclic, donc ça va être donc déjà prendre soin de toi, et puis est-ce que ça va changer quelque chose au niveau de l'alimentation, au niveau l'alimentation, déjà j'ai changé depuis le début de l'année, je mange quasiment plus de viande. Mm-hmm. Donc déjà, alors là, ça va sûrement... Qu'est-ce que tu vas mettre en place, là? Là, je vais essayer de mettre plus de pâtes, plus de glucides, plus tout ça. Plus de pâtes, plus de riz. En fait, ce que tu manges en ce moment, c'est beaucoup de salades, radis. Voilà. Donc, tu manges beaucoup cru, mais avec beaucoup de pâtes et riz. Voilà, pour un peu équilibrer, parce qu'aujourd'hui, physiquement, je sens que je n'arrive pas... Physiquement, c'est moralement. Voilà. Bon, après, moi, je me cachais aussi derrière ça. J'ai besoin physiquement, comme je t'ai dit, on fait le même boulot à peu près. Et puis, moi aussi, j'avais besoin de me dire, allez, j'ai besoin, donc je mange du gâteau. Mais en fait, là, on voit que c'est une compensation. Et puis, en plus, que j'ai réfléchi tout à l'heure, alors là, je te le dis en direct de cette caméra, si tu veux, on coupera, il n'y a aucun souci. Après, je me suis dit, tu sais, tu disais que tu faisais les courses qu'une fois par an. Oui. Parce que donc, les pâtéries, c'est super facile. Cette alimentation te permettait de ne pas aller rencontrer les gens. Mais c'est le point négatif que j'ai. Non, c'est pas négatif, c'est le point que tu vas pouvoir ouvrir maintenant. C'est chouette. L'alimentation, de toute façon, l'alimentation va te mettre au cœur du vivant par rapport à toi et dans la rencontre avec les gens. Mais pour ça, c'est loin d'être dans les supermarchés, mais dans des lieux où les gens sont un peu différents, ils ont une autre conscience. Je fais des règles générales, hein, c'est complètement un petit peu débile peut-être ce que je dis, mais... Maintenant, cette alimentation, en plus, toi, tu passes un petit peu en permaculture. Oui. Tu vas être, ton désir, c'est d'être autonome. Mais on peut pas être autonome complètement, surtout, je pense. Mais après, les autres produits, parce que tu peux pas faire que salade, radis et puis pâtes,
il te manque un gros déséquilibre. Et si tu veux enlever le patri, bah, va falloir que tu manges des avocats, des graines, des oligagineux, des graines germées. Il y a plein de choses en fait. Il y a tout un univers que tu vas à découvrir. Et là, est-ce que tu es prêt à le challenge 15 jours sans pâtes, sans riz, même si tu en as préparé déjà? Ouais. Est-ce que tu es prêt à ça? Ouais. Pour tester, oui, juste non, pour tester, qu'est-ce que ça va te faire? Qu'est-ce que ça va changer en toi? Déjà, de plus manger de viande, ça a changé... beaucoup de choses. Alors, est-ce que tu t'imagines que plus manger de céréales et de légumineuses, ça change encore beaucoup de choses? Et après, petit à petit, passer sur quelques types de jeûnes, que ce soit intermittents ou alternatifs, ou des jeûnes tout court, hydriques ou jeûnes secs. Après, c'est vraiment miraculeux, quoi. Moi, j'en suis pas à faire des jeûnes complets, mais déjà, dans mon jeûne intermittent, vraiment, j'ai une clarté d'esprit que je n'avais pas du tout avant. Je scanne les gens, je scanne les chevaux d'une facilité, d'une clarté, et j'ai pas l'impression d'être trop à côté de la plaque en tout cas. Et ça fait vraiment du bien, et du coup tu pourras voir ta vie, je pense, de plus en plus claire, parce que là c'est le début de toutes tes prises de conscience. Tu sais que c'est possible de vivre autrement, tu veux vivre autrement, tu veux faire d'autres choix de vie, mais tu sais pas comment trop t'y prendre. Oui, donc là maintenant il va falloir que tu t'occupes de toi. C'est chouette. Ce qui n'est pas très imminent. Personne n'a appris à ça. On ne nous apprend pas trop ça. Non, et surtout. Donc, ça, c'est ce que tu vas aller découvrir. Surtout dans le milieu agricole. Dans le milieu agricole, c'est plutôt bien sûr. Contraire. Ouais. Je suis contente de t'avoir accueilli, Cédric. Et puis, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Est-ce qu'il y a un petit message? Surtout par rapport à mes collègues. Ah, bien sûr. Il y a quand même un agriculteur tous les jours qui se suicide. Quand même, l'agriculture est quand même importante ici. On peut pas tout le monde, comme je le dis, tout le monde a un chemin de vie. Chaque âme est différente. Il y a des jeunes âmes, des vieilles âmes. Aujourd'hui, on est obligé d'apprendre de nos erreurs, ce que j'ai fait, que tout le monde fait. On essaye. Mmh. Ouais, on essaye, mais je pense que de toute façon, on apprend à un moment, sinon. Sinon, on se casse la figure. Je pense qu'on n'est pas là pour ça, de toute façon. T'as bien raison. Dès que c'est pas fluide, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et puis, je pense que, de toute façon, une âme ne peut pas rester tout le temps à un niveau. Je pense pas que c'est... L'évolution. Il y a une évolution. Même moi, là, 3-4 ans, on m'aurait parlé d'âme. Aujourd'hui, je parle d'âme alors que... On t'aurait parlé d'arrêter la viande. Là, aujourd'hui, je te parle d'arrêter les légumineuses et les céréales. Non, mais c'est faisable, je sais. Tout est faisable. Et puis, de toute façon, je pense que c'est... Pour moi, aujourd'hui, pour moi, c'est, je pense, la solution pour moi. Après, ça ne sera peut-être pas la solution pour bien tout le monde. Sûr. Il faut complètement. Faire super attention. De toute façon, là, je parle qu'à toi. Oui, voilà. Non. Mais c'est pour ça que les agriculteurs, il ne faut pas tous les blâmer. Et s'ils sont bien éleveurs, sûr c'est qu'ils doivent... passer ce parcours. Si un animal doit nourrir les hommes, c'est qu'il doit passer ce parcours parce que c'est l'animal a une âme aussi. Après, ce qui doit évoluer. Après, il faut le faire pas avec respect. Respect. En fait, ce qui est difficile pour des personnes comme moi, comme toi, qui aimons les animaux et qui, moi, par exemple, je suis complètement végane, même si je mange les œufs de mes poules. C'est mes poules, mais c'est difficile de me dire qu'il y a des camions qui partent à l'abattoir. La condition de transport à l'abattoir lui-même, la condition des fois des éleveurs, toi-même, tu me l'as dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de violence. Moi, c'est que des choses qui me font mal, qui me font profondément mal. Et puis, mais comme je vois, comme Thierry Casasnovas disait ce matin, j'ai regardé une de ses dernières émissions, un dernier petit reportage qu'il a fait et qui disait il allait dans un supermarché, ça lui fait très mal au cœur de voir une personne un peu obèse mettre son caddie, il mettait n'importe quoi dedans, et de se dire que c'est à la portée de tout le monde de se prendre en main. Ça, il faut pas d'argent, là, il n'y a pas une question de ça, c'est juste une question de vouloir, la volonté, et puis de se dire, mais non, bouffer de la pizza, du ketchup et puis des pâtes, ça le fait pas, quoi. Regarde comment tu es, comment tu fais, tu as oublié de respirer, tu as oublié de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. Et revenir dans l'homéostasie à fond sur la règle du vivant, quoi. Le corps se réparer, mais il y a des gens, et ça leur fait, Thierry, ça lui fait mal au cœur, moi aussi de plus en plus. Je vois des personnes qui sont complètement à côté, quoi, et qui en plus nous jugent en disant, oui, mais de toute façon, toi, tu manges cru, et c'est ça, et c'est ça. Mais je dis pas que ça, c'est la vérité pour tout le monde, comme tu as dit, hein. Le manger cru, manger sans viande, sans.
c'est quelque chose que moi je ressens qui est juste, mais c'est ça, ça fait mal au cœur de voir des gens qui se perdent un petit peu, mais comme voilà, ça me fait mal au cœur aussi de voir des animaux sacrifiés comme ça. Mais je pense que tu as raison en fait. Il faut accepter, parce que c'est l'acceptation. Comme là, j'éduque mon enfant en disant, regarde le tracteur, il met plein d'engrais dans les champs, il est vraiment pas gentil, parce que l'engrais en fait, ça tue tout, ça il laboure, ça abîme toute la terre, toute la vie dans le sol. Et regarde Manoa, il y a plus de vers de terre. Donc et après il y a tous ces engrais, ça rend même les gens malades, tout ça. Et ça tue les abeilles, les pesticides et tout ça. Et en fait, moi, j'éduque mon gamin comme ça. Et j'éduque mon gamin en disant, bah regarde, on mange pas du jambon, parce que le jambon, c'est Casimir, c'est notre cochon, ou c'est Rosie. On mange pas les poules. Bah, les poules, elles donnent des œufs, et puis c'est nos copines, quoi. Mais comme on mangerait pas nos chiens, ou bientôt mes vaches, hein, ouais. Cédric, tu vas me léguer deux vaches. Ouais. On mange pas nos chevaux, on mange pas les canards, parce que c'est nos potes, quoi. Mais après, c'est que ma vision, et je franchement, je suis pas là dans cette vidéo à dire, comme toi, tu n'es pas à taper sur la tête des agriculteurs, ni moi des gens, en fait. C'est juste qu'on s'est rendu compte de certains petits trucs qui nous concernent de nous, et on le dit, en fait. Et comme toi, ton témoignage sur c'est très dur d'être agriculteur, vous avez beaucoup de pression. Comme tu dis, il y en a beaucoup qui veulent se suicider, c'est très dur financièrement pour vous, par rapport à vos choix. Et c'est pour ça que moi, ça m'a touchée, en fait, par rapport à ton histoire de vie et par rapport à tes conditions de vie. Et que là, maintenant, peut-être que tout ça va être derrière toi. Et ça, je prie pour toi que tu sois libérée. Même avec peut-être ta ferme, mais au moins que dans ton être, tu sois en paix. Bah, j'espère. Après, je suis là, je pense, pour ça. Enfin, si on s'est rencontrés, je pense que c'est pour partir. Je suis juste une personne au début de ton chemin. Tu vas rencontrer des personnes hyper intéressantes tout au long, tu vas voir. Tu te souviens ce que je t'ai dit ce matin? Je t'ai montré toutes ces personnes aux yeux qui brillent. Marie-Sophie, elle, avec l'instant cru. Thierry Casasnovas, Marion qui a fait le Vitaliseur. Plein de gens. Tal Scheller, Raphaël Pérez. Quoi, il y en a plein des gens qui... Là, je t'ai parlé de tous ces gens-là, parce qu'ils ont un rapport avec l'alimentation, mais même en perma, il y a des gens juste sublimes. Et en fait, ce que j'aimerais voir dans chaque personne, ce que je fais que dire, c'est les yeux qui pétillent. Et je t'ai montré que des gens avec des yeux qui pétillent, qui ont un des parcours étonnants. Ils sortent, t'as vu, ils sortent du formatage. C'est pas facile, parce que nous, on nous pète la gueule. On sort du formatage. C'est oui, mais toi, t'es pas dans l'équitation. Les gens, ils aiment bien nous saboter. Mais parce qu'on est différents et on ose. Et ok, on se plante. Toi aussi, tu te plantes. Moi aussi, je me plante. Mais on se relève de nos erreurs et on ose dire, bon, là, voilà. Mais c'est beau de voir ces gens qui, avec les yeux qui brillent. Je te souhaite vraiment d'avoir le plus possible ces yeux qui brillent et cette vie où tu te dis waouh, ça y est, je me suis trouvée, quoi. Je suis fière de moi. Comme là, je sais que tu es fière de toi. Quoi, moi, en tout cas, je suis fière de ton parcours. Et voilà, de se dire je sais pourquoi je suis là et merci la vie, quoi. Après, il faut pas en vouloir non plus. Ces gens-là, c'est l'ego qui parle. Je sais, la colère. Donc là, c'est à nous de pas. Pas réagir, voilà, ça glisse sur nous, et puis bien sûr, à un moment, eux aussi ils seront à notre place, enfin, ils évolueront comme nous. Il y aura un peu moins de colère, comme moi, j'apprendrai à être moins attristée par les agriculteurs, que ça me touche. J'espère qu'un jour ça me touchera moins. J'ai un gros parcours à faire là-dessus, sur ces personnes qui détruisent un petit peu la vie, qui abattent des chevreuils, qui abattent des arbres, qui s'abattent eux-mêmes. Quand je vois moi aussi, comme Thierry Casasnova, je partage, mais Thierry, je suis avec toi, et puis qu'ils remplissent leur caddie avec juste n'importe quoi, quoi. Non, mais ça va. Voilà, la nature, elle est bien faite, tout est bien fait. L'homéostasie, ouais. Hein, toujours à se réparer. Donc, faut savoir que nous, là, la nature n'a pas besoin de nous. Donc, les agriculteurs, il n'y en a pas besoin. Enfin, on dit le contraire. C'est sûr, il y aura des animaux qui disparaîtront parce que les vaches ne peuvent pas vivre. Mm-hmm. C'est difficile de vivre. Mm-hmm. Les vaches ne pourront pas vivre, ça disparaîtra. Sûrement, tout ce qui est... Les grands animaux disparaîtront, mais il y aura d'autres animaux. L'humain n'est pas indispensable. Bien sûr, même l'humain, voilà. En fait, faudrait juste revenir à un plein équilibre, juste à la justesse, quoi, avec des animaux bien traités, avec de l'amour, quoi. Mais voilà. comme je fais que dire en ce moment, on vit pas dans le monde des bisounours. Et on y, je crois que au fond de nous, sincèrement, qui me dit là aujourd'hui dans cette vidéo qui n'a pas envie d'y croire à ce monde des bisounours? Où il y a de plus en plus de paix en soi, paix dans les autres, paix que nos gamins soient équilibrés, que tout,
On rêve. Je crois qu'au fond, nous, on rêve que de ça, de la paix et du bonheur. Quoi. Dès tout petit, je pense. Hein. Mmh. Ouais, des... c'est ça. C'est dès ça. Qu'on est petit, on voit... cette innocence. Voilà. Cette innocence, ouais. Ce monde-là, il faut essayer de le revoir adulte. C'est vrai qu'on nous formate, dès qu'on arrive à l'école, on nous formate d'une façon. Après, dès lors qu'on sort un peu des cases, et ben, voilà, ils essayent de nous remettre dans leur droit chemin. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est à nous de... Tu vas te libérer. C'est moi, sûr. Aujourd'hui, je me suis libéré, c'est sûr. Puis lundi, aujourd'hui, ça va bien système, se passer, là. Lundi, on verra, ouais. De toute façon, on verra bien. Après, voilà, lundi, j'essaierai justement de reparler un peu plus. Lundi, en fait, tu veux expliquer ce que en tu fait, fais lundi, je vais au on reste encore 2-3 minutes ouais. Sur la vidéo. Et... lundi, je suis convoqué au tribunal parce que la banque, me demande de rembourser tous mes emprunts, donc elle arrive à se rembourser puisqu'elle prend l'aide de l'État, elle prend tout, donc et là ils m'ont convoqué lundi pour justement soit me mettre en redressement, soit en liquidation. Donc je suppose que c'est un redressement parce que le redressement ça voudra dire me remettre dans le système, qu'il puisse me brider et puis faire fonctionner tout un système qui coûte super cher pour rien et au bout pour une liquidation. Fortement, parce qu'aujourd'hui, de ce que j'entends, tous les redressements, c'est... Enfin, ils ne redressent rien. Hein. Mmh. C'est plus pour pomper encore et pour, moralement, je pense, affaiblir encore plus la personne. Aujourd'hui, moi, j'y vais... J'ai voulu venir justement avant parce que je ne savais pas si je pourrais me... J'avais peur de m'emporter, ce lundi-là. Donc là, je pense dans quelques jours. Dans quelques jours. Et je pense que là, ça va. D'être venu là, ça va un peu me permettre de. T'avais besoin de souffler un petit peu avant. Ouais, j'avais besoin de souffler, de me retrouver complètement. Et... Donc de te déconnecter, mais te connecter à toi. Mais, voilà. mais par contre, j'espère que ce jour-là, j'aurai vraiment les mots qui... On que ça soit les mots qui soient durs pour eux. Qui soient ? Qui soit dur. Pas trop, pas de violence. Hein. Non, pas de violence physique, mais. Mais même. Enfin, juste les mots justes, en fait. Les mots bien ciblés, juste. Ouais, mais faut vraiment que ça leur. Ça imprègne, ça... mais justement, sans violence, je pense. C'est parce que si tu envoies de la violence, je pense que les gens vont se braquer. Tout de suite, ils vont fermer, ils pourront pas t'écouter. Si tu y vas avec toute ta sincérité et ton cœur, comme là, par exemple, tu fais, je pense qu'on peut que t'écouter, en fait, là-dedans. Parce que ton parcours est louable et. Voilà. On verra. En tout cas, on te soutient. Voilà, à fond. Je verrai ce jour-là et puis aujourd'hui, voilà, ce qu'ils décideront, ce sera là. Voilà. Ouais, t'es prêt. Ouais, aujourd'hui, je suis prêt. Hier, j'étais pas prêt, mais aujourd'hui, je pense que je suis prêt. Et de toute façon, je sais ce que je veux plus. Donc voilà, c'est le plus important et de me retrouver, de me reconstruire. C'est bien. Je te souhaite que ça. Merci beaucoup, Cédric. Merci. Ouais, Cédric. Donc du coup, on est revenu à la maison pour que s'il y avait trop de vent dehors, pour que vraiment tu m'expliques un peu ton ressenti avec... qu'est-ce que tu peux me dire là? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc avec la fille, un ressenti... avec Ayana, la pouliche. Oui, la pouliche. Alors au départ, elle avait tendance à me fuir parce que j'arrivais pas, je pense, à me poser. Mm-hmm. Au départ, c'est vrai qu'elle avait tendance, mais c'est venu assez vite. Mm-hmm. Après, je t'ai demandé comment tu te sentais. Et comment on sentait? Est-ce que tu pensais que ce que tu ressentais, ces aiguilles que tu sentais, ça venait de toi ou d'elle? T'as pris 2 secondes pour respirer loin de la jument. C'était moi. Puis après, t'es revenu et qu'est-ce qui s'est passé? Une connexion. Et puis, un bien-être. C'était calme. Je sentais libre. Enfin, la jument aussi, mais moi, elle est complètement libérée. Une sensation merveilleuse, complètement, en connexion, pour moi, et super moment, j'ai adoré. À un moment donné, tu m'as dit, j'ai l'impression que l'aiguille, comme si l'aiguille avait percé ton abcès, un abcès. Oui, parce que quand je suis revenu, je ressentais plus cette aiguille là. Au niveau du cœur, et là tout s'est libéré, et ça m'est venu tout de suite avec tout ce que j'ai vécu. Je me suis dit, il y avait un gros abcès autour de ce cœur, et là elle m'a permis de percer cet abcès et de me libérer, ce bien-être que ça fait longtemps que j'ai, peut-être même que je n'ai jamais ressenti cette
enfin, je l'ai sûrement ressenti avec ma chienne, mais cette fusion-là, c'est vrai que ça fait longtemps que... Ça fait du bien, ça. Ça fait du bien, ça fait du bien. On sait pourquoi on est là aujourd'hui, grâce à ça. C'est ça. Et avec la mère, qu'est-ce que tu as pu sentir? La mère, il y a une souffrance terrible, parce que les... là, je... tout le temps, je sentais cette aiguille, justement... que j'avais au départ, qui venait de moi, mais là, ça venait d'elle. Cette aiguille, c'est... T'as pu vraiment faire la distinction. Oui, hein. Ah, oui, complètement. Après... Qu'est-ce que tu vois en elle? Qu'est-ce que tu sens en elle, en cette jument? De la souffrance. Maïka. C'est une souffrance... c'est le même parcours que moi, en fait. Elle a souffert. C'est-à-dire Je sais pas ce qu'elle a eu, mais... Moi non plus, je sais juste qu'elle était ballottée, en fait. Mais qu'est-ce que tu ressens? Comme si elle avait... elle avait... vécu des choses terribles, enfin, des douleurs, je sais pas, comme si elle est pas sauvage, elle est pas, mais comme si elle a pas confiance, enfin, je ressens comme si elle a pas, enfin, comme moi, en fait, exactement, pareil, pas confiance aux hommes, et puis... Elle se protège, et du coup, en se protégeant, elle attaque. Elle a fait une carapace, enfin, comme moi, une carapace. Et après, à la fin, moi, je ne me suis jamais senti en danger, autant que j'étais avec, parce que je pense que je la comprends, enfin, et je pense pas qu'elle ait, enfin, je sais pas si elle a ressenti, enfin, si elle a lu en moi la souffrance que j'ai eue, peut-être que ça a fait écho, mais c'est vrai que je ne me suis jamais senti en danger. Par contre, tu m'as dit un truc, tu m'as dit que tu avais... son agitation intérieure, le fait que ça pique comme ça, son agressivité, ça te faisait sortir de toi-même, t'arrivais pas à retrouver ton calme, en fait. Elle t'emmenait dans... Ouais, parce que mon souffle, j'arrivais pas du tout à... Ton quoi? Le souffle. Ouais. La respiration cardiaque. J'arrivais... Enfin, dès que j'essayais de me mettre pour moi, mais j'y arrive pas parce qu'elle m'emmène... Enfin, chaque fois, je sentais cette puissance... sans que je puisse rien faire, j'ai pas réussi à me canaliser moi, enfin elle m'a tout le temps emmené, mais après, non, c'est une jument qui mérite, enfin je pense qu'il faut faire sauter la carapace comme moi, il y a un petit peu de parcours à faire avec cette jument, ouais. Mais je pense pas qu'elle soit... Elle n'est pas profondément méchante, non, bien sûr. Parce que vu comme elle a réagi... moi, je me suis jamais senti avoir peur. Enfin, après, je peux pas... Comme la peur, pour moi, est disparue depuis tout ce qui s'est passé. Enfin, je sais pas, est-ce que... Je me suis pas senti en insécurité. Après, je pense qu'elle l'a ressenti. Parce que si elle avait vraiment voulu... Enfin, tout animal, si ça va pas... Bien sûr. On le sait tout de suite. Donc, si elle avait vraiment voulu me faire du mal ou... Elle y aurait été, franchement. Bien sûr. Là, je pense que c'est une protection. Exactement, en fait. Elle se protège de l'homme, comme moi, je me protège des hommes aussi, et du système. Pour moi, c'est exactement le même parcours que moi. Exactement. Cool. Ça t'a fait du bien de te mettre en relation avec ces chevaux. Est-ce que tu penses que ce matin, avant de faire la rééquilibration en toi, est-ce que tu penses que tu aurais abordé ces deux juments pareil dans l'état que tu étais ce matin? Parce que tu étais dans un état ce matin, un petit peu d'agitation intérieure, émotionnelle, en fait. Tu sais, ça faisait un peu... toi, c'était un petit peu, comment te dire, un petit peu une respiration assez haute, une énergie assez haute. Même si tu es quelqu'un, je sens hein, quelqu'un où tu as beaucoup de terre en toi, tu es quelqu'un de posé, mais au fond il y a une agitation pas contrôlée, en fait. Et est-ce que tu penses qu'avec cet état que tu avais ce matin, tu aurais pu aborder les deux juments comme ça? Ça aurait été peut-être un peu plus sportif, peut-être, parce que là ça m'a quand même... Mais j'ai réussi à m'apaiser énormément là, entre ce matin et puis ce soir là, c'est parce que je pense pas que ça serait je suis pas sûr, enfin en fait imagine la réceptivité de la jument, bon, de la pouliche, ça va, elle est assez maintenant tranquille, mais la mère aurait su réagir, en fait. Je sais pas, parce que après est-ce qu'elle réagit pas parce qu'elle ressent nos peurs?
Justement. Mais moi, comme... Mais oui, mais c'est pas forcément la peur, là, ça peut être l'agitation, hein, rien que l'agitation mentale. L'agitation émotionnelle. Peut-être que j'aurais... C'est pas que la peur, en fait. Ce que t'as vu, il y a beaucoup de colère hein, qui oui. sort en elle. Oui, en fait, et t'en avais aussi... Mais en fait, c'est réussi. En fait, voilà, c'est ça. Le miroir était atténué, en fait, cet après-midi, du coup, le fait d'être avec elle cet après-midi. Mais, ouais, c'est sûrement que ça serait pas passé pareil, Ça aurait été bien de faire le test, de voir justement la différence, parce que je peux pas dire, peut-être qu'elle aurait plus été rentre-dedans que... Mais après, est-ce que j'aurais réussi à... Peut-être que, j'aurais pas réussi à garder ce calme. Là, t'étais impressionnant, t'étais bien mieux que moi, hein. Tu restais très, très, très calé. Moi, elle me faisait légèrement reculer encore, hein. Quand je la voyais tout près de toi, tout près de ton visage, waouh. C'est bien, hein. T'as une très, très belle attitude. Super. C'est mon parcours, voilà. Ça doit se passer comme ça. Chouette. J'ai adoré, c'est super agréable. Même si il y a eu de la souffrance, mais je comprends sa souffrance et je sais qu'un jour ça s'atténuera. C'est sûr. Voilà, en tout cas, c'est du travail et elle y arrivera. Moi, je vais y arriver. Donc, voilà. Elle aussi, c'est elle sûr. Aussi. Ça veut dire suite à un prochain épisode avec Mademoiselle Melka et sa fille. Ayana, merci Cédric d'être venu. Au revoir.